Alors, je ne me lancerai pas dans l'imitation du loup, je ne sais faire que le cheval. Et le loup est vraiment pas ce qu'il y a de plus important, en plus, dans le territoire des loups, qui est le nouveau film de Joe Carnahan. Je suis déçue, Audrey. Non, mais Joe Carnahan, qui est un réalisateur mortel, c'est le type qui a fait Narc, c'est lui qui a fait, bon, ça s'était pas très bien passé, l'Agence Touriste, et qui avait fait Mise à Prix, qui est un film... il a fait beaucoup de films qui n'ont pas marché au box-office et qui sont pourtant des purs films de mise en scène. C'est quelque part le digne héritier de John McTiernan, c'est quelqu'un qui arrive à faire passer énormément de choses par l'enchaînement des images, par ses cadres, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de dialogue pour véhiculer énormément d'émotions. Et Le Territoire des Loups en est l'exemple absolument parfait. Donc on regarde dans la bande-annonce de cette histoire très très simple, où tout simplement des types qui bossent dans une compagnie pétrolière au fin fond de l'Alaska se prennent un crash d'avion, se retrouvent paumés dans la nature et ils tombent en plein territoire de loups qui n'ont qu'une envie, c'est les bouffer. Donc... Nobody's gonna find us. Not here. We figure out one way south, and we start walking. This will be one of those wild stories you tell at the party. What is that? Don't move. Stay right back enough. If we can get to that tree line, we can better defend ourselves. There they go! Run! You gotta be kidding me. We can climb down. Grab him! How are we gonna deal with this? We take them on, one at a time. I want to see your face, feel your hands and mine. Don't stop! Hold on! Moi, pourquoi je milite pour ça? Alors, tu milites pour que l'animation soit reconnue au même titre. Moi, je dis le jour où elle sera réellement reconnue, c'est le jour où il n'y aura plus de catégorie animation et qu'elle sera mise au même côté que les films. Et il pourra en être de même pour certains films de genre qui sont toujours regardés de haut parce qu'on y raconte des histoires violentes, parce que ce sont des schémas codés. Et c'est très souvent, justement, au sein de schémas codés que la transgression peut se faire de manière subversive et où on peut produire du propos, mais pas asséné avec des grandes phrases ou avec un discours posé sur un plateau d'argent, comme je dis toujours, mais pas les images, ce qui est la quintessence du cinoche. Le Territoire des Loups, c'est l'exemple type de ça. C'est un pur survival. Qu'est-ce que c'est un survival? C'est toujours l'histoire d'une bande de types confrontés à une nature sauvage ou à une menace dans une nature sauvage et qui vont devoir aller chercher au très fond d'eux-mêmes ce qui définit leur humanité pour réussir ou pas à s'en sortir. Dans Le Territoire des Loups, on est dans un schéma qu'on a déjà vu. C'est le même schéma dont Predator de John McTiernan, qui avait dans les années 80. C'est pareil, on a tous les passages obligés, la situation de départ qui vrille, un à un, les types qui vont se faire désinguer par une menace, et le survivant qui va se trouver lui-même dans cette position d'être humain perdu au milieu de la nature sauvage, et comment va-t-il se transcender pour réussir à s'en sortir. Et Le Territoire des Loups est dans cette logique où on a déjà vu ce qui se passe. On connaît ces séquences codées, on voit les passages obligés à arriver des uns à la suite des autres. Et pourtant, en filigrane, par l'intelligence incroyable de Carnahan en termes de mise en scène, le type arrive à glisser une réflexion humaniste qui est hallucinante. C'est vraiment plus qu'un film où c'est une bande de gars qui se fight contre des loups ou qui essayent de survivre. C'est l'histoire de, non, mais c'est l'histoire de la vie et de la mort. Et la façon dont Carnahan amène ça. Déjà, il le glissait dans Mise à Prix quand il montrait comment quelqu'un qui meurt n'a jamais été bien montré au cinéma. Il le faisait de façon géniale. Ici, c'est une leçon. Moi, j'ai jamais vu des gens mourir au cinéma en étant à ce point-là bouleversé, avoir l'impression de vraiment voir ce que c'est mourir. Et vivre aussi avec toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est que nos croyances, à quoi on se raccroche quand on est mis dans une merde pas possible, et qu'est-ce qui nous caractérise profondément en tant qu'être humain. Et là où il est très très fort, c'est qu'il n'a pas beaucoup besoin de dialogue pour le dire, et que simplement les séquences s'enchaînent. Comme vous, Yannick. On est, non, malheureusement, on est bluffé et on est transporté par un type qui sait ce que c'est l'enchaînement de deux images, ce qui est de plus en plus rare au cinoche aujourd'hui. Donc voilà. C'est un vrai oui. C'est un très très grand film. C'est un survival définitif comme j'en ai pas vu depuis 15 ans et dont on se rappellera dans 10 ans même si c'est un bide au box-office. Il y a des films qui sont des cartons, dans 10 ans tout le monde les a oubliés. Ça il y a des films carton. Qui sont des bides, bah justement. Et dans 10 ans on se dit, celui-là c'était une date. Mais il ne peut pas y s'arrêter encore. Mais celui-là c'est une date. On passe toujours tout de suite au box-office et Le Territoire des Loups, on en reparlera demain à l'occasion du Mercredi.